Jean-Pierre Labatte, on vous connaît pour vos vachettes landaises et vos jeux gonflables, mais vous lancez une nouvelle activité. Pouvez-vous nous en parler ? Écoutez, oui, j'ai eu un coup de foudre il y a 5 ans pour les dinosaures. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu une expo de dinosaures et ça m'a claqué dans la tête. J'y pensais. Et puis, ça s'est vraiment concrétisé l'an dernier, il y a un an à peu près. J'ai vu une expo à Bruxelles qui m'a vraiment emballé. Et j'ai dit pourquoi pas monter ça en France. Voilà. Et donc je me suis mis en quête de trouver des dinosaures. En France, je n'ai pas trouvé, en Europe, je n'ai pas trouvé. Il a fallu aller chercher ça en Chine. Il n'y a que les Chinois qui fabriquent ces dinosaures articulés. Ces dinosaures que vous avez trouvés en Chine se trouvent maintenant à Buglos, à côté de Dax. Expliquez-nous comment vous êtes allé les chercher. Eh bien, on n'est pas allé les chercher. Ils sont arrivés par bateau. Il y avait 7 conteneurs de 40 pieds de dinosaures qui sont arrivés au Havre et après par camion ici. Et quand c'est arrivé, après nous, il a fallu quand même qu'on travaille beaucoup dessus parce que les Chinois, ils sont très très forts pour fabriquer des dinosaures. Mais après, on a modifié ça, on a fait des socles, on l'a habillé à l'européenne, on va dire quoi, voilà.